Bonjour à tous, c'est Boulistrade, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui sera très courte, puisqu'effectivement il n'y avait qu'un seul match hier soir dans le football étranger, voilà, à l'étranger, dans les autres championnats. C'était la Juventus qui recevait Palerme, victoire 4-1, avec un doublé notamment de Dybala, un but d'Higuain, ils se sont fait plaisir, les petits Argentins là, ça s'est très bien passé pour eux. Ils ont atomisé Palerme, j'ai pas grand chose d'autre à dire, la vidéo est presque finie. Non, plus sérieusement, victoire de la Juventus 4-1, vraiment rien à dire sur ce match, la Juventus a totalement dominé, la Juventus est très forte cette année, hein. Attention, c'était déjà très fort l'année dernière, c'était déjà très fort il y a 2 ans. Là, c'est vraiment très costaud, c'est vraiment impressionnant parce que c'est solide défensivement. Bon, en même temps, c'est des Italiens, donc ça peut que être solide défensivement. Mais ils ont des qualités offensives, ce qui est quasiment inédit dans cette équipe. Et malgré le départ de Pogba qui aurait pu peut-être créer des déséquilibres, créer des difficultés dans cette équipe, bah non, cette équipe est toujours aussi impressionnante et toujours aussi forte, et c'est très impressionnant. J'ai dit beaucoup de fois impressionnant depuis le début de la vidéo, en même temps, ils sont impressionnants. Voilà, ils sont impressionnants, les Bianconeri, donc c'est très fort. En plus de ça, ils vont jouer donc mercredi soir face à Porto en Ligue des Champions, à Porto. Donc au départ, je pensais que ce serait un peu compliqué, mais là, ce que j'ai vu, c'est une démonstration de force. Donc s'ils ont le même niveau face à Porto, ça va être compliqué. J'ai beaucoup de respect pour Porto, mais ils n'ont pas forcément le niveau pour battre la Juventus de ce niveau-là, en tout cas. Donc c'était vraiment très impressionnant. La Juventus continue de marcher sur le championnat italien. Il y a rien, il y a pas d'autre mot à dire. Voilà, il y a pas d'autre mot à dire. Je sais pas si c'est vraiment bien expliqué ça, mais il y a vraiment rien d'autre à dire si ce n'est ça. C'est très impressionnant, c'est très fort. Donc voilà quoi. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dans cette vidéo, qui est d'ailleurs terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était une petite vidéo pour vous informer de ce résultat qui était très impressionnant. Juste une chose. Cette vidéo était courte. Ok. Demain, je vous assure, la vidéo sera plus longue, parce qu'il y a beaucoup d'autres matchs. Il y a des matchs en Espagne, l'Atlético, le Real, Séville, ça vous dit quelque chose? Ce sont quand même des grosses équipes, on en parlera sûrement, même on en parlera quasiment forcément, parce qu'il y a toujours des matchs et toujours quelque chose à dire en Espagne. Il y aura même l'Allemagne avec Dortmund, avec le Bayern, voilà, les deux équipes européennes, on va dire, qui sont en Ligue des Champions pour l'Allemagne. On va en discuter. Et puis surtout, voilà, il faut que j'avale un peu ma salive, parce que sinon je ne vais pas réussir à parler. Et sinon, c'est tout. Il y aura peut-être un petit peu de championnat italien. Je sais pas, ça encore. On verra en fonction des résultats de demain. Mais voilà. Voilà le planning pour la vidéo de demain. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Boulistrade.